Non, a melhor que o programa. Sim, o menino sempre é. Professeur Abdou Salam, Nanournazi, c'est Nanournakoun, Centre international de physique théorique de Trieste, Histoire chapitre Égypte, Histoire chapitre Afrique du Sud, de Miskuzalia, Histoire chapitre Madagascar. C'est Nanournatito, Tamtona, 2008. Car ohatra ka mbola dorita eto no mbola betsaka eto a iarinanao zay tokony hampanankarinanao dorana ary ny zaza malagasy mbola maro mahatra dia tsy androsolitsika zay ndrika zany ny zava-misy aloha zay no resahana dia zay no anatafiny zavatra ho azavaiko zany a za tany amin'ny toerana io any a didy io tenina hoe fanjakana kely anaty fanjakana be potika mihitsy le firenena. Misy vatsoa, misy volamena, misy mpitrandraka vatsoa, misy mpitrandraka volamena, dia tena politika mihitsy le izy. Ka raha ohatra ka manan-karena ka izao ny fitantanana an'ilay izy ka boraraka ohatrohatran'izao, tsisy firenena manan-karena ao anatin'ny fitantanana ohatran'izao fa tena olana rivo anetsy mialatsiny amin'ny teny zany ny olona ao anatin'le fitrarahana emeraude, fitrarahana safira andidy manaraka. Karaha atao amin'ny sary anankiray zany a Madagasikara any koatra ny hoe taxi borosy tsika dia mitokony le taxi borosy a dia ireo ry zalahy mila manosika an'izy tsika mba hampivelona an'ilay firenentsika rendrika ilay firenena mila mivontana ary zay ny nahatomavantsika eto a ary zay ny resahana mpikaroko a amin'izao fotoana izao a ho tongentsika samy mandray anjaratsika dorodorotsika rehetra aby. Zao nananantsika manana ny vorona lehibe indrindra eto ambonin'ny tanytsika dia ny eopiornisy zany a ary hoavy koa amin'izay ry manaraka inona koa nanana Madagasikara ireo no nanantsika ireo karazana biby karazana zava-maniry ireo dimy isanjato ny zavaboary eto ambonin'ny tany zanatany eto Madagasikara ihany ny misy azy. Costa Rica firenena ohatra ny vatika iny be any Costa Rica zany fa ainy 1,9 milliard $2 isafoana ampidiry zany amin'ny resaka fizahantany ny coco azanaovana charbon azanaovana sopla azanaovana lovia azanaovana menaka azanaovana lakôny a etsetsetsetra ananatsika be dehibe koa io reo zazy reo ny tanora malagasy reo zany mbola reo ny ananatsika be dehibe a tsy hitako mihitsy zany zay tsy tokony atavoaka ty firene ity afaka mamboly azy reo afaka manao zavatra ampiana mihoatra fa iza manao a manaraka zavaka sai izao misy ny atsinyo volonté politika manina ny olona mavita nyfanaraka ohatranazao rehefa nyfirenena ny batsiny tsy tiky mbola tonga am'izany e tsotra le izy ninyona faniriana rehefa tsy misy ho volonté politika rehefa firenena navotana sarotra be any manavitra anty firene ity ny aretiny fitany fanaletina COVID-19 fa afeko Madagasikara dia misy koa ny aretina zay efa matona eto Madagasikara toy ny peste sy ny tuberculose ny information tokony anabreo a dia ny fanaovana surveillance ny fametrahana ireo test de diagnostika mba ahafahana mitiry ny aretina tsirairay a mba ahafahana mahafantatra hoe firy isan'ny marary misy ve maty manahoana ny fianaka ivarana aretina rehefa aza information zay a dia eo ny maka décision ireo zavatra ireo nefany a dia rehefa mitirentsika teo hoe rehefa mandeha andraikitra ka toy ny aza rehefa aveo a dia mila fantarina hoe nisy fiatraika vihina fiatraika ny asa nataontsika dia eo koa zany mbola miasa toa ny mpikaroka mba hahafahana mahafantatra hoe nety ve a ary nisy fiatraika ve a le fanapaha-kevitra sy ny hetsika natao a tao aminan'le nolo le olana zay nytrany dia eo koa zany mbola miasa koa zany mpikaroka amin'ny mahafantatra hoe rehefa nandraisina ny andraikitra dia firy ny isan'ny olona sitrana firy izy olona vita vaksiny etsetra etsetra fa raha toko zany dia iezaka zany a ny mpikaroka mamanareo fanena tsiraray izy apetraky mponina hoe inona tompoko ny zavatra ataonareo amin'ity firenena ity a inona ihany ny zavatra ataonareo mpikaroka reo
Il y a des gens qui s'adaptent à les gens de Madagascar. Il y a des gens qui ont été faits pour les faire dans les villes, pour les faire dans les villes. Et il y a des gens qui ont été technologie pour les faire dans les Bon, merci, monsieur le moderateur. Merci de vous donner la parole. Honorable invité et chers collègues participants à ce colloque, bonjour. Comme vous voyez là, le titre est « De la culture ancienne à la conservation biologique actuelle pour un développement durable de Madagascar ». Nous, en tant que paléontologistes, environnementalistes, zoologues et ainsi de suite, qui travaillent plutôt sur le domaine de la science de la Terre, mais qui touchent un peu les sciences sociologiques, nous aimions donc aujourd'hui vous partager quelques recherches des collègues, prédécesseurs et nous, Malagasy, dont moi-même. À Madagascar, l'homme et la nature sont indissociables à l'aide de différentes études interdisciplinaires telles que, essentiellement, la paléontologie, la paléoenvironnement, la zoologie. On a identifié qu'après le changement climatique ou quaternaire en Madagascar, c'est-à-dire entre 1 600 000 ans, donc le Pléistocène inférieur, jusqu'à l'Holocène de 10 000 ans, l'homme jouait un rôle dans l'extinction de la mégafaune. Compte tenu donc de ces facteurs, que ce soit de destruction ou de conservation, on peut dire que on peut tirer des leçons. Il suffit de responsabiliser les citoyens qui pensent que tout ce qu'on a sur Terre, ce sont des héritages. La stratégie, c'est que l'être humain, dans sa relation à la nature, présente une forte ambivalence entre action de destruction sur le milieu et, à l'opposé, d'un comportement qui traduise une grande motivation pour communier ou communiquer avec elle. C'est de l'anthropologie. Donc l'anthropologie explique bien que l'homme est responsable de la destruction, mais on peut les demander pour qu'ils soient des éléments de protection. Tu m'as toujours fait un aimé ou là, c'est mon nom stické, ça a mis. Misland a un peu d'un petit peu de New Lion, à Misland, Mississippi, Mille de Smashing Pier, American Bib. Il a si bien son pasteur de Nissan, pizza gagné, il a un pasteur de New York, un peu de ça. Nous savons que tu as parlé à Tioué, à un appel de pasteur de Néa, et il t'a fait, il t'a fait personne nous la salon, il faut la fin de la foudre. Dia ireo voalazantsika ireo ny aretina avy amin'ny aretin-kibo, ny aretina avy amin'ny fananarana, ny traumatisme, ny aretin-tratra, ny aretin-mifindra, ny aretin'ny hoditra. Ny olona nefa dia zao, amin'izaontsika amin'ny teny izao, dia ny betsaka ny fanafarana koa avy ivelana. Ny betsaka ny toerana fampidiana koa eto Madagasikara dia ampifadin'olona amin'ny koa avy any ivelany akogasitsika. Ny akogasitsika nefa dia akogasy manana an'ilay toerana dia mety hoe maharitra aretina izy an, izany hoe résistant. Faharoa izy an, tsy mila omena zavatra be dia be fa nefa manome ataontsika hoe vokatra tsara dia tsy inona fa ny hena tena tsara be zany hena akogasy. Fahatelo an, io akogasitsika io an dia afaka manatody izy io afaka mikotrika ary afaka mitarika anaka. Fa raha mijery an'ireo akoho ivelany ireo tsika tsy mahavita an'izay rehetra rehetra izay ny akoho avy ivelany. Ny tanytsika ity izay anisan'ny voatain'Andriamanitra raha miaro raha mihoatra amin'ny Afrika ireo bibikely mamira otrika aretina ohatra hoe tsy fantatsika zany hoe tripanozomiaz zany zay areti mandoza satria nahoana tsy misy tsetseta tenytsika tsy fantatsika zany hoe cécité de rivière zany posepose satria nahoana tsisy ny simleo midavan'izao ampamitra ny retin'izany aty amintsika ary tsy fantatsika koa zany hoe fièvre jaune zany tsisy eto Madagasikara marina fa misy an'ilay moka mpamindra amin'ny faritra iva andrefana sy avaratra mafana andrefana
misy an'ny dokotera aidesizity saingy zao tsy manana an'le mba fakarana kely le fantanina toko aza tsy manana an'le simiantsika zay andalovan'le virusy fa ny prosimiantsika nymien de refractera amy virus amatiny tsoa nataon'ny professeur Tsimbajonara Tsimbazafy teo ary afaka manosika ny fizahantany le izy miray amin'ny zavakanto a ary ireo anakoro ireo dia afaka manosika mafy de mafy koa zany nytoekareny eto Madagasikara tsy tonga ampotosofony mpitondratsika ve ary izay koa angamba tamin'ny fotoana zay mitondranay ny tansy ny firenena ny afatra avy aminareo mpikaroko no tsy misy fitrandrahana an'ireo arenareo hatramin'izao zah manokana aloha de gaga mihitsy aloha ay hatramin'ny aratsiny lalana zany te azo trandrahana ny faharoa fanontaninana mbola tsy nanao tarbezaka izy a miainga avy amin'ny famelabelarana ataon'ny professeur Luciano Mikael Luciano teo a tantely nefa miantefa indrindrarindra nonao professeur Rahoelina Ndebolona mirongatra zao ny valala ary mianika ny tanànbe mihitsy ny tanàndehibe mihitsy le stérilisation de mal zay mieritreretina hoe azo ampiarina amin'ny moka ve tsy azo ampiarina ihany koa amin'ny valala ary le mal zay stérilisena ihany ve no afaka miparitaka sa afaka stérilise ny hafa koa izy a rehefa miray a ny moka va moka na valala vavy zay ny fantahinaay fa tena mba réflexion fotsiny de mampampitondra lavana politika na otsitra fotsiny de koa za hoe sehatra inona re no metimety kokoa amy malagasy zany ho bebe kokoa ve fifaninanana ny competitivité satria sokatra am'izao tolo zao tsika manaitra mihitsy lay nataon'ilay mpampianatra ambony amin'ny ekonomi teo sa ijanona anatin'izay raha ny ampisehitry ny fihavahany de récompassion belabe ny fitserana ny fiandrasana ny tara mba samy miarandroso nefa fatatsika fanetontsika dia le masotra amy firenena le olona somary tara le olona mety hokamokamo le olona tantanana ny tobetsaka ka ina ary le atao hitodika bebe kokoa any amin'i zany lay tetika ampandrotoana ny firenentsika tsy manana vavitena fa miezaka ao anatin'izay no nomba fatanikaapetrako zany hoe miaradalana ihany ve reo ho any amin'ny elitisma ve isika de ma manontany tena amin'izay zany tsika amin'izay fotoan'izay hoe tokony atao amin'ny teninina zany efa miarabelarana tokony atao amin'ny teny vahiny ve sa tokony atao amin'ny teny malagasy io zany miankina am'izay olona ho resahna ny tena zao de mahafantana fa misy lanja ny teny vahiny misy lanja ny teny frantsay misy lanja ny teny anglisy rehefa amelabelatra amin'ny communauté scientifique satria mahazo an'izay daholo zany rehetrarehetra fa rehefa resaka fampandrosoany madagasikara tsika ny olona manao voankasika zay zavatra zay de ny malagasy amin'ny senatra rehetrarehetra fantatsika fa ny malagasy a tsy mahay teny vazaha daholy ka rehefa manao nrehefa melavelavana ve tsika iza no sibla iza no olonaho resahatsika ny vazaha ve mahatonga le izy atao amin'teny frantsay samy teknisianna malagasy zay mahay teny frantsay ohatra tsika reto zany mahay nyteny frantsay mahazo tsara amle resaka sa le malagasy zay fantatsika fa be deaibe no tsy mahay nyteny frantsay firenetsika ity dia manan-karena olona manam-pahaizana sy olomanga fa mahantra olomarina voatery matetitetika ry hoe mila miova nytoetsaintsika malagasy raha te androso mila miova amin'le toetsaina sy le toe-panahy ti tena ti vola ory avamanana hatrany amin'ny tampony ka hatrany amin'ny faramahatra dia mila miova toetsaintsika
mba hirosona any amin'ny very le fivanana malagasy taloha, very le fitiavan-tanindrazana malagasy taloha, fa lasa fitiavan-tena mipetsaka izao. Ka amin'ity hiroso any amin'ny fihavanantsika, hiroso any amin'ny fitiavan-tanindrazana. Fitiavan-tanindrazana dia fitiavana ny tenindrazana, fitiavana ny vahoaka mahantra, ireo ny tsy maintsy tsinjovina voalohany raha tena tia mpandroso an'izany hoe tanindrazana izany. Ary izay ny hevitra fa isan'ny anankiray ampiova ny toe-tsaina sy ny toe-panahy ntsika malagasy indrindra indrindra any amin'ny fanabeazana. Raha jerentsika ny toerana misy an'i Madagasikara amin'ny famokarana angovo dia antsika alohan'ny farany mpamokatra angovo eto amin'ny ranomasiny indianina sy ny Afrika Atsinanana. Raha jerentsika zao Afrique du Sud zao 26,236 mégawatt, itsika 173 kely fotsiny no voakarintsika. Resako kely aloha ny momba ny atao hoe réacteur nucléaire amin'ny situation internationale là, satria mampatahotra ny olona manko le hoe nucléaire, nefa tsara ho fantatsika fa ny firenena matanjaka dia ny énergie ny angovo nucléaire no nampandroso azy. Misy raiky ambe fapolo sy efajato réacteur nucléaire eran'ny tany, ary mbola iampy roa amby fitopolo réacteur nucléaire zay efa andala mpanamboarana mialatsiny. Nefa ny énergie nucléaire dia efa tafiditra ao anatin'ilay atao hoe angovo maitso. Pour nous, développement ne peut être que la formule abrégée pour le développement de l'homme dans toute sa dignité d'homme, c'est-à-dire le développement et la recherche, l'assurance, la préservation, la création de toutes les conditions de l'épanouissement physique, intellectuel et moral de tout homme et en tant qu'être humain. Pour ce faire, 5 besoins fondamentaux doivent être satisfaits impérativement. Premièrement, la nourriture, c'est donner à manger aux habitants. Le logement, le vêtement, la santé et cinquièmement, l'éducation. Tout processus qui y contreviendrait ne serait que mystification. Toutefois, il faudrait ajouter que la satisfaction des besoins fondamentaux est préliminaire mais non restrictive. Sont tout aussi humainement signifiants les droits et libertés démocratiques ou le droit d'avoir des droits pour exister en tant qu'être humain. Autrement dit, le développement ne peut se définir objectivement que comme un processus d'humanisation de l'homme par l'homme. Aussi serait-il opportun, nécessaire et même urgent de créer une commission nationale malgache de développement durable. Et le rapportage, entre autres, premièrement, de définir ce que les mots développement, développement durable, développement rapide, environnement, pollution signifient pour nous malgaches. À partir de ces définitions, de lutter contre tout ce qui menace la dignité humaine, d'attaquer le problème du sous-développement, en particulier de trouver une nouvelle stratégie, et nous insistons sur l'adjectif « nouvelle », de trouver donc une nouvelle stratégie pour la croissance et la réduction de la pauvreté, de fixer les indicateurs correspondants du développement durable et rapide pour Madagascar, de viser le développement rapide et durable dans tous les secteurs sociaux et économiques, éducation, transport, énergie, agriculture, élevage, alimentation, santé, eau, air, tourisme, etc. Cette commission doit être une structure de concertation, de coordination, de contrôle, d'évaluation et de promotion des activités pour un développement durable et un environnement humanisant. La mise en œuvre de cette commission est non seulement un atout décisif de l'efficacité, mais aussi l'information aussi est un paramètre
nécessaire mais non suffisant. Mais cela représente à soi une révolution culturelle, un tournant à 180 degrés par rapport à notre histoire récente et ancienne. En effet, elle suppose un changement radical dans la façon de travailler par la mise en place d'un réseau multisectoriel pour la résolution des problèmes socio-économiques immédiats ou à plus long terme, une conversion des mentalités par laquelle chacun, en tant que citoyen, participe organiquement à son bien-être personnel et à l'intérêt général selon ses capacités et ses compétences. Tous y sont